Hey, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du 24, 25, 26. 24, 25, 26, fin de semaine, donc fin de cette semaine, juin. Alors, 2022. Je me suis dit, je vais la faire dehors parce que il fait super bon, il fait super chaud, mais il y a du vent. Et ça m'embête, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, réfléchi et réfléchi. J'ai un maillot, mais bon. Alors, j'ai décidé de la faire dehors et on verra. Advienne que pourra. Mon parasol va dans tous les sens. Bon, on verra, les amis. Allez, on va utiliser le grand Lenormand pour les énergies principales, les énergies de cette fin de semaine, de ces jours-ci. Tiens, la consultante. Il y a ici une proposition qui va être faite à une dame ou qui est en rapport avec une dame, une proposition d'un homme de loi. Un homme de loi va faire une proposition à une dame, à vous madame ou à votre madame, ou à, voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, ou une proposition d'un homme de loi mais satisfaisante, qui est en rapport avec une dame, pour une dame, concernant une dame. Voilà, déjà, on a quelque chose de positif. Allez, on prend une carte. Qu'est-ce que nous avons? Alors ici, on a ici... Ça ne correspond pas vraiment avec la carte que je viens de sortir d'avant. Mais ici, on a plutôt la carte de la tristesse, de se sentir abandonné, de devoir faire un deuil, d'une épreuve. Je recommence ma vidéo. Non, je rigole. Une épreuve sentimentale, à mon avis. Une épreuve sentimentale. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, celle qui est sortie tout à l'heure, la coupe de tout à l'heure et celle de maintenant. Donc voilà. Mais je vais quand même sortir une autre. Parce que je voudrais voir quelque chose. Je pense que ici vous devrez peut-être faire le deuil d'une personne qui va faire... qui aura commis un abus de confiance. Je vois ici un abus de confiance, un abus de pouvoir, qui pourrait vous attrister très fort. Et donc, vous devrez faire le deuil, mais peut-être pas, peut-être par rapport à un décès, mais aussi, et probablement par rapport à une personne, certainement de la famille, ou d'un ami très, très proche. Parce que... Ou alors, c'est quelqu'un qui va s'attribuer les mérites que vous avez aussi droit. Il va s'attribuer les mérites qui sont les vôtres aussi, en fait. Oui. Il est possible ici aussi que dans ces énergies, nous ayons une personne qui viendra demander pardon. Une personne qui va venir demander... Alors, peut-être par rapport à ce que je viens de dire, ou par rapport à autre chose, mais certainement une dame va venir demander pardon, va vouloir être consolée. Je confirme que j'ai la punition familiale avec cette carte-ci, donc ça reste quand même un peu dans la famille, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend une. Donc ici, on a le succès. Hein, le succès. On a la vulnérabilité pour moi ici, la réussite. Donc, oui, il s'agit de quelque chose à faire passer, à essayer d'avaler, que l'on a en travers de la gorge, ça peut être depuis un certain temps d'ailleurs,
Mais là, on commence à soit à ouvrir les yeux et à prendre conscience de ce qui est et qui existe depuis longtemps. Peut-être que des gens vous l'avaient déjà dit, mais fais attention, cette personne-là n'est pas fiable, ou cette personne-là, elle te tire en bouteille, ou cette personne-là, elle... voilà. Et vous, vous êtes, mais non, cette personne est gentille, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma mère. Et non, il peut mal, on est quand même de la famille. Bon. Et là, il y a certainement quelque chose qui s'est passé, mais pas maintenant. Quoique, ça peut être maintenant, c'est un tirage général quand même. Mais ici, on est en train, donc, je pense, il y a un regret qui s'installe de la part de la personne qui est coupable, hein, pas de la personne qui s'est laissée avoir, la personne qui est coupable d'avoir fait ce qu'elle a fait. Et ici, il y a des voyages, il y a des voyages éprouvants, obligatoires, regrettables. Mais en même temps, on est ici, grâce à des voyages, à des déplacements, il y a le succès qui est en train d'arriver. Oui. Il y a une femme très jalouse, d'ailleurs. Il y a une femme très jalouse, hein. Faites attention, si ça vous parle. Voilà, donc ici, on a le retour. On a des retours de personnes où on va revenir dans un lieu, où on revient d'un lieu, et c'est positif. Donc il y a des choses qui s'arrangent avec le temps. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a eu, ça me parle d'abus de pouvoir, etc. Donc on est en train ici de gagner, on va dire. De gagner et de revenir sur du positif par rapport à ces énergies-là. Voilà pour ce qui est. Alors je vais remettre ma petite pochette, n'est-ce pas? Et je vais la remettre dans ma pochette où j'ai pris des jeux plus anciens, dirons-nous. Pochette que ma fille m'a offert pour la fête de maman. Voilà. Alors, on va prendre les énergies générales. On va faire le tirage en 13 cartes. Tirage en 13 cartes, les amis, pour les énergies générales de cette fin de semaine. Ça va bouger, ça va bouger. Alors, nous avons. Alors, c'est marrant parce qu'on a ici avec évidemment tempérance, on a la réconciliation, on a une négociation qui réussit, on a la sérénité, le calme, voilà, on revient vraiment à une réussite, à une réconciliation, à une conciliation en tout cas. Donc, c'est bien. Et ici, j'ai quand même le pape à l'envers qui va nous parler ici de quelqu'un qui pourrait vous donner de mauvais conseils ou vous avez suivi des mauvais conseils. Donc faites attention à ce que vous faites, peut-être là en ce moment, parce que les mauvais conseils, vous les avez peut-être déjà reçus depuis un moment. Et là, il faudrait
Il y a une prise de conscience, certainement, mais en tous les cas. Ou alors, il y a une personne qui est négative près de vous. Et normalement, vous voudriez qu'elle entende raison. Vous n'y arrivez pas. C'est impossible. Vous n'arrivez pas à la raisonner, cette personne. Ben là, c'est possible. Ça va peut-être être possible qu'elle comprenne, cette personne comprenne. Ou qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un qui vous a donné de mauvais conseils. Donc faites attention, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, surtout. Voilà. Bon, je vais placer mes 15 cartes, hein. Il y a du vent, hein. 13 cartes, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 de deck. Oh ben voilà, 2 de deck, on a le 10 de bâton. Et je pense que ici, c'est la fatigue. On a la fatigue. Mais je pense aussi que ça peut parler aussi d'avoir trop de projets. Vous vous perdez un petit peu dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire. Peut-être que vous êtes un peu perdu dans ce que vous voulez faire parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne se mettent pas en place, qui ne se sont pas mises en place. Et vous êtes un petit peu perdu. Vous faites un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu. J'ai aussi... On me parle aussi de fatigue après la guérison, d'accord ? Une guérison qui va... vous devez vous reposer. Vous devez encore vous reposer, d'accord ? Ce n'est pas terminé, vous devez encore vous reposer. Donc vous êtes guéri, mais vous êtes encore fatigué. Alors. Toi, je te remets là. Voilà. 13 cartes. Je ne vais pas les... Non, trop loin. Ouais. Juste sur le micro qui fait chiant. Alors, je vais les mettre en ligne parallèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. On y va? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Je pense que ça va être une semaine ici où il y a des révélations qui vont être faites, mais peut-être des révélations... Vous allez pouvoir voir le vrai du faux. Vous allez pouvoir voir, je ne sais pas, il y a une certaine forme de lucidité qui va venir vous aider, qui va venir vous faire comprendre tout. Il y a une forme d'intelligence qui va venir vers vous, que vous n'avez pas d'habitude. Non, mais voilà, on va pouvoir vraiment ici voir le vrai du faux, on va pouvoir... être vraiment lucide et pouvoir faire ses choix, de toute façon. Alors, oui, on a ici la fin. C'est la fin de ce qui nous manque. C'est la fin de ce... On n'est plus en manque, on n'a plus de besoin. On en a encore, mais on en a beaucoup moins. On a beaucoup moins de manque. Oui, on a beaucoup moins de manque. Donc, on a ici... on arrive à un moment, à une situation contrôlée, contrôlable, gérable, surtout financière, mais pas que financière, par rapport à quelque chose qui vous a manqué
dont vous n'étiez plus maître non plus. Mais c'est peut-être aussi par rapport à un vol, une trompe. Oui. Alors ça peut être un vol financier, mais ça peut être aussi un vol perdre son, avoir vous avoir volé du temps, etc. Alors là, ici, on va plus loin. Ce week-end, vous allez pouvoir élargir vos points de vue, vos horizons. Vous allez vraiment pouvoir développer des choses qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. D'aller beaucoup plus loin. Et de développer des choses que vous n'auriez peut-être pas pensé que vous alliez pouvoir faire. Donc ici, vraiment, il y a des... Peut-être de nouveaux buts, de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Oui, attendez. Non, on a le soleil. Donc ici, on a évidemment l'abondance. Moi, je pense ici que vous allez avoir des éclaircissements, encore une fois, des éclaircissements. Mais ici, vous allez ressentir, recevoir et donner tout ce qui est chaleur, tout ce qui est lumière. Donc, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être clarifiées, il y a des choses qui vont être... c'est très 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 positif, hein. C'est très 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 positif ici. Donc vous allez retrouver quelque chose de lumineux et vous allez rayonner. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Alors peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre qui a fait des choses et qui va s'en rendre compte, peut-être par rapport à cette réconciliation qui est en train de se faire, par cette prise de conscience. Je pense vraiment qu'il y a une grosse prise de conscience ici pour vous ou pour plusieurs personnes. Et donc, vous allez pouvoir redevenir heureux ou heureuse. Ça peut être aussi par rapport à l'amour, hein. Je suis dans toutes les énergies possibles ici. Alors, 4, bâton. Ici, les amis, ça nous parle de fiançailles, ça nous parle de promesses. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Donc, promesses tenues. Promesses tenues. On peut aussi compter sur la parole de quelqu'un. Quelqu'un nous dit quelque chose, on peut vraiment compter sur ce qu'il nous dit. Ça peut nous parler aussi d'un contrat, ça nous parle de pouvoir, donc de fiançailles, je vous l'ai dit. Une promesse de mariage, une promesse d'engagement, une promesse de par rapport à n'importe quoi, par rapport à tout ce qui peut demander un contrat. Mais en tout cas, les choses vont se... C'est aussi un mariage, évidemment. C'est une carte de pouvoir. C'est une carte de pouvoir. C'est une carte qui va... une carte d'aide. Donc, vous recevrez de l'aide. Vous pouvez compter sur les gens. On peut compter sur vous. Il y a vraiment des choses qui changent terriblement. Mais ici, j'ai une promesse par rapport à un mariage. Il y a quelque chose qui va changer pour certains d'entre vous. Par rapport à une situation fiançailles, mariage, et ça redevient positif. Ça l'était sûrement, il y a eu quelque chose, et là, vous allez comprendre certaines choses, vous allez peut-être accepter, admettre, ou vous allez être pardonné, vous allez être pardonné, et donc voilà, il y a des choses qui reprennent leur place initiale. Voilà, initiale, qu'il y a peut-être longtemps, une petite araignée qui a peut-être longtemps que c'était... Alors, s'il te plaît bien, petite araignée. Donc voilà. Effectivement, c'est la fin d'un moment, qu'on s'engage, on reçoit des promesses, on en fait aussi. Alors, ici, il y a quelqu'un de pas content. Il y a quelqu'un de pas content.
par rapport à une situation. Alors que ce soit cette situation-là de retrouvailles, je vais dire, de retrouvailles avec quelqu'un ou avec une situation. Donc on retrouve vraiment des choses super et il y a quelqu'un qui ne va pas être content. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui pourrait même être un peu agressif, en tout cas dans les paroles aussi, dans ses faits, dans ses gestes. Il y a peut-être aussi une personne qui va essayer de vous convaincre de quelque chose, mais ça, ce sera faux. Cette personne va peut-être essayer de vous convaincre que mais non, les choses n'ont pas changé, la personne est toujours pareille, la personne ne fera pas. Mais ne l'écoutez pas, parce que cette personne, c'est quelqu'un qui... De toute façon, il ne sera pas assez convaincant pour vous. Vous allez voir que vous n'allez de toute façon pas le croire ou la croire, mais... et du fait que vous n'allez pas la croire ou le croire, ne lui montrez pas trop maintenant, parce que cette personne pourrait se montrer agressive. Ouais, tu ne me crois pas, mais pourtant, il s'est déjà passé ceci, cela. Donc, vous... On s'en fout de ce que cette personne l'a dit, et on ne se la met pas à dos. On dit oui, 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 ou non, non. Vous dites ce qu'elle veut entendre, sans pour cela être d'accord avec cette personne, mais vous, ah bon, voilà, vous ne promettez rien, évidemment, que vous n'allez pas tenir, mais méfiez-vous quand même de cette personne qui pourrait, pour certains d'entre vous, venir un petit peu vous agresser et vous essayer de vous convaincre de quelque chose qui n'a pas lieu. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, on nous dit que... Ça nous dit que... On veut bouger. On veut bouger. On veut faire quelque chose. On ne supporte plus de ne rien faire. On ne supporte plus d'être... On ne supporte plus d'être indifférent. On ne supporte plus une situation. Donc là, maintenant, on doit vraiment... Alors, ça, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein, mais c'est une personne qui revient à la réalité. C'est une personne qui va avoir la bougeotte. C'est une personne qui va vouloir bouger. C'est une personne qui va... qui ne sera plus ou qui n'est pas indifférent. Donc ça va, une personne qui revient à la réalité, une personne que vous allez faire revenir à la réalité, peut-être que la personne va revenir à la réalité par rapport justement à ce que ce personnage aura dit ou fait. Donc peut-être que ce personnage-là, de par ses paroles, ben voilà, qui est peu convaincante, on va dire, va faire revenir à une réalité à quelqu'un ou à une situation. Mais il y a les choses bougent, hein, les choses bougent. Ou alors, cette personne va faire bouger quelqu'un qui ne bouge d'habitude pas, qui ne bouge pas d'habitude. C'est quelqu'un, c'est peut-être vous, mais c'est aussi peut-être une personne qui n'a pas du tout l'habitude de se mêler des histoires des autres. Et là, cette personne, elle va comprendre que cette personne, ça ne va pas, et donc elle va bouger. Elle va bouger d'une manière ou d'une autre, ça va dépendre de chacun. Alors, nous avons ici l'âme sœur. Donc, on a confirmation que vous avez l'âme sœur, que vous allez la rencontrer, vous l'avez déjà. Nous avons... on a aussi... Une forme de reconnaissance. On a... En fait, cette carte nous parlera d'évidence, de quelque chose qui est tellement en évidence. C'est tellement évident que on se réveille. On va se réveiller. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Vous allez vous réveiller et vous allez voir que mais c'est tellement évident. Comment est-ce que je ne l'ai pas vu plus tôt? Comment est-ce que je ne l'ai pas compris plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas réveillée plus tôt? Parce que c'est pas normal. C'est tellement... Mais c'est évident. Donc ici, voilà, il y a des... Il y a une reconnaissance mutuelle aussi peut-être d'une personne
de deux personnes, une reconnaissance mutuelle. J'ai aussi la correspondance parfaite. Donc, et on a vraiment ici des unions de... des choses tellement évidentes qui n'étaient pas encore faites, que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que ça n'est déjà pas fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà fait signer ce contrat-là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà compris ça? Je ne comprends pas de ne pas l'avoir compris. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas compris que c'était mon âme sœur. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas compris que je devais... Pourquoi est-ce qu'on est deux? En fait, là, c'est plutôt un truc, on est deux. Et on va s'apercevoir qu'on est unis et qu'on doit être reconnaissant l'un envers l'autre. Et vous ne l'avez pas encore vu, mais ça va être une surprise. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller avec un sentiment de... comment ça se fait que... On dirait vraiment que ce jeu, ces énergies, c'est vraiment un réveil par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie... différent. Alors, ici, on procrastine, les amis. On remet à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Faites attention, parce que on a ici quand même une personne qui n'est pas très capable, une personne qui est menteur, une personne qui fait tout à l'envers, en fait. Et c'est peut-être la même personne, ce sont peut-être les énergies d'une seule personne, mais il s'agit peut-être d'une ou deux ou trois personnes qui sont un petit peu... Pourquoi, je ne sais pas. Hein, pourquoi est-ce qu'elles sont contre vous ou contre le fait que vous allez revenir vraiment bien, que vous allez vraiment récupérer des plein de positifs dans votre vie, et bien ces personnes-là, on dirait qu'elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas très envie que vous soyez heureux ou heureuse. Alors, il y a quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose, c'est peut-être lui aussi, lui ou elle. Maman, c'est une... Enfin, c'est pareil, femme ou homme. Mais... une personne, comme je vous ai dit, peut essayer de faire quelque chose. Mais je ne sais pas, ces deux incapables ici, ces deux pingouins là perdus, ils ne sont pas convaincants, ils sont menteurs, on ressent tout ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils viennent faire ici, ces deux-là, mais ils viennent essayer de chambouler l'histoire, mais ils ne vont pas y arriver parce que je ressens de la bêtise. Je les ressens bêtes. Alors, ici, on a bon, ici, cette carte, elle va nous parler de contrôle. Elle va nous parler de... Elle va nous parler d'une passion qui retombe, de lenteur, quelque chose de lent. Ah, mais peut-être que cette carte, elle va nous dire et nous expliquer que... Je regarde parce que si elle me dit bonjour, mais j'essaye de me cacher, mais pas très possible. Donc ici, il y a quelque chose de lent. On me dit, ça c'est pour autre chose en fait, c'est pour vraiment autre chose. On vous dit ici, cette carte elle nous dit, c'est encore trop tôt. Voilà, à vous de savoir. C'est encore trop tôt. Ton...
Il faut que la petite voisine vienne au treillis voir mes chiens. Maintenant. Donc, on a ici. Fais chier, putain. Mesure. Enfin, en soi, la petite ne me dérange pas, c'est juste que c'est maintenant, quoi. Et allez, on prend le petit frère, peut-être. Donc, ici, on a quelque chose qui. Ça nous parle de lenteur, ça nous parle de petit débit, ça nous parlera de quelque chose qui est beaucoup trop tôt et qu'il faut contrôler. On doit encore contrôler et on doit encore avoir du contrôle sur certaines choses pour pouvoir avancer. Et surtout, on a une passion qui tombe, qui retombe ou qui risque de tomber. Voilà. Donc on a vraiment cette passion-là qui risque de tomber. Donc il faut surveiller. Je pense que ça n'a rien à voir avec le reste des énergies. C'est autre chose. Ok. Alors. Bon, d'accord. Ça, c'est marrant. Là, c'est trop tôt. Et là, c'est trop tard. Là, c'est la lenteur. Et là, c'est l'impatience. Maintenant, ce ne sont pas les mêmes. Là, ce sont les deniers. Et là, ce sont les bâtons. Hein, donc, c'est différent aussi. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous devrez faire tôt ou tard. Non, il faut que je reprenne une carte. Parce que pour ne pas dire de bêtises, je l'ai tiré comme ça, donc je dois faire comme ça. Alors, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Évitez évidemment les conflits. Évitez les disputes. Fouillez tout ce qui, toutes les critiques. Fouillez. Mais évitez les conflits. C'est marrant parce que on vous dit d'aller moins vite. Ça, c'est la solution. C'est bizarre ça. Laissez-moi comprendre. Parce que. Il est trop tôt pour commencer quelque chose et il est trop tard. Mais ce sont deux choses différentes, mais qui sont. Qui doivent être faites ensemble. Je ne sais pas me faire comprendre autrement. Donc, il y a deux choses à faire que vous devriez faire en même temps, mais dans un sens, c'est encore trop tôt, dans un sens, c'est déjà trop tard. Alors, ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. Et ici, il pourrait s'agir, du coup, il pourrait y avoir, du coup, une dispute, un conflit, mais ça, on vous demande vraiment de l'éviter. Éviter, désamorcer ce qui pourrait être et prenez du recul. Il faut chercher d'autres points de vue ici, je ne sais pas. Écoutez, ça va vraiment être à chacun de vous de trouver ce que c'est. Donc, il faut que vous évitiez les disputes et les conflits et il faudrait que vous changiez, que vous éloigniez, que vous changiez votre point de vue, que vous essayez de prendre du recul, que vous essayez de prendre du recul, vous devriez essayer de vous éloigner un petit peu. Oui, éloignez-vous, prenez du recul, essayez de voir les choses sous un autre angle.
N'écoutez pas ce que l'on vous dit. Alors, je pense aussi ici, je pense que ce soit trop tôt ou trop tard, vous allez pouvoir arranger la situation. Vous allez pouvoir... comment est-ce qu'on dit ? Vous allez pouvoir ménager la chèvre et le chou. C'est comme ça qu'on dit. C'est bon. Voilà. Bon, en fait, là, il y a vraiment... Ce sont vraiment des énergies qui parlent d'autre chose. D'autre chose que tout ce qu'on a parlé jusque maintenant. En tout cas, ou alors, ça peut parler avec les... Mais c'est des autres énergies pour moi. Je sais pas, je suis très très brouillon, mais en fait, voilà. Oh, j'ai recommencé ma vidéo. Non, je... Alors... Donc, c'est la carte du 28 juin au 2 juillet, celle-ci. Alors, on reste dans ces énergies d'abus de pouvoir, de mensonges, de rivalité. De contradictions, de chercher des solutions. On vous demande aussi peut-être, si problème il y a, il faudrait peut-être le dire, il faudrait peut-être en parler. Il faudrait peut-être révéler certaines choses. Réfléchissez avant de le faire, mais il faudrait révéler certaines choses. Peut-être. On a toujours cette la fausseté, la rivalité, l'abus de pouvoir, le mensonge, les contradictions, toutes ces énergies-là. Encore une fois, à côté de ces deux cartes-là, hein. On a vraiment ici une personne qui va être jalouse, ou jaloux, ou qui n'acceptera pas, ça peut être un collègue, ça peut être... Et la dernière, on va évaluer la situation, et on va vraiment vers une réflexion stratégique. Donc ici, on va réfléchir, donc je pense que c'est la dernière carte. Ici, on va vraiment réfléchir et on va trouver la solution, de toute façon. On va trouver la solution de toute façon parce que on va avoir beaucoup de données, sur beaucoup de sujets d'ailleurs, pour certains, ou sur un ou deux sujets, peut-être un seul sujet, mais de toute façon, ça va vous aider à agir d'une manière, justement, d'une manière stratégique. Et donc, de pouvoir mener toutes ces énergies au bout et à bien. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans ces énergies-là. On est vraiment, donc ici, pour les énergies générales, on est dans une solution, dans une résolution de problème. On est dans un mouvement qui nous entraîne ou qui nous bloque. Ou que nous ne voulons pas déjà, on ne veut pas déjà partir, on ne veut pas revenir, ou c'est trop tard pour y aller. Vous allez devoir gérer tout ça, mais vous allez pouvoir le faire, hein. Vous allez pouvoir évaluer tout ça et gérer tout ça. Voilà. Et donc, nous avions le dos de deck qui était le 10 de bâton. Donc voilà, ici on vous demande de vous reposer. On peut comprendre, parce que c'est des fortes, des énergies très puissantes ici. Alors, on va faire pour l'amour. Pour l'amour. Bon, je crois que je vais enlever les cartes. Parce que...
juste peur qu'elles s'envolent si je les laisse, mais en même temps j'ai envie de les laisser pour placer mes cartes dessus. Donc je les laisse, on verra. Allez, on y va les amis, pour les énergies amoureuses. L'amour. Nous avons la dame et le renard. Donc ici, on a effectivement une dame rusée. D'accord ? On a une dame rusée. Une dame rusée qui pourrait être un peu malheureuse, qui pourrait avoir des soucis, ou peut-être des soucis de santé, mais d'une certaine douleur. Une dame rusée qui pourrait alors avoir une douleur ou vous en envoyez. De la douleur. Bon, le soleil revient, s'il te plaît. C'est d'être bête partout. Les nuages. Donc ici, on est encore une fois dans le flou. On est dans le flou ici. On ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien où on en est. Alors. Oh. L'amour, hein, on reste dans les énergies d'amour. Abondance totale et générale. On a le soleil, donc c'est déjà magnifique. On a le jardin. Ici, ça va me parler de succès. Ça va me parler de succès dans les affaires, mais ça va nous parler aussi de popularité, d'amis, de gens que l'on connaît, en fait. Ça va nous parler de quelque chose de heureux. Peut-être que vous allez aller à une fête. En tout cas, il y a quelque chose de heureux et de joyeux qui devrait se passer ou qui devrait venir de personnes que vous connaissez. Moi, j'ai une fête, j'ai des réjouissances avec du monde, un endroit où il y a du monde. Ça pourrait être les vacances aussi, ça pourrait vous parler de vacances. Donc, c'est ça, il y a quelque chose de ça. Attendez, je dois retirer une autre carte. Donc ici, il y a quelque chose de... On est vraiment dans de belles, belles énergies, dans des énergies de cadeaux, dans des énergies de bien-être, dans des énergies de chaleur, dans des énergies de bonheur, dans des énergies de quelque chose qui est sain, quelque chose qui est stable. Moi, j'ai la lune et le soleil. Donc ici, il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Donc il y a des choses qui vont être révélées. J'ai aussi la voyance. La voyance, peut-être qu'il y a un don. Ah, peut-être qu'on va vous offrir. Alors, on va vous offrir un don. Ou bien, peut-être qu'on va vous faire remarquer. Vous allez apprendre que vous avez des capacités un peu hors normes, où vous allez avoir une révélation. Peut-être que vous allez avoir une révélation aussi. On va peut-être... Ah oui,
vous avez peut-être envie de demander, ou vous vous demandez si on n'a pas fait un travail sur vous par rapport à l'amour, ou vous vous demandez est-ce que ce serait bien de faire un rituel pour qu'il revienne, qu'elle revienne, qu'elle mène toujours. Ne le faites pas, parce que ça se retournera contre vous. Si vous demandez à quelqu'un qui revienne, je pourrais passer, je vais juste écourter, je pourrais en dire plus, je devrais en dire plus pour mieux expliquer, mais si vous voulez, oui, je veux que mon ex revienne, ben votre ex, avec la magie, on va dire, il va revenir, mais en même temps, ce sera contre son libre arbitre, donc ça ne vous portera pas chance, puisque il ne sera pas libre de ses actes, il revient parce qu'on le fait revenir, et en même temps, donc ça pourrait s'apparenter à de la magie noire, hein. Dites noir, il n'y a pas de couleur, mais bon, voilà. Et en même temps, pour vous, c'est de la magie blanche, parce qu'il est revenu, chut, mais quand vous ne l'aimez plus, ou si vous voyez que la personne a changé, c'est plus la même, et que finalement, c'était mieux d'être séparé, eh bien, vous ne serez plus, vous serez débarrassé. Voilà, ça, c'est un risque aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous suivre, vous poursuivre, parce que vous l'avez fait revenir, maintenant, vous devez le garder. Voilà, ça, ce sont des risques aussi, quand on emploie les énergies de magie. Pensez aux conséquences, au retour. On a toujours un retour. Alors, il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Alors, j'ai un bébé, c'est marrant parce que je pourrais avoir des jumeaux d'ailleurs, des jumeaux, j'ai garçon, j'ai fille, donc voilà. Mais on pourrait tomber enceinte, avoir connaissance qu'on est enceinte. On pourrait faire un rituel pour avoir un enfant aussi. Ça, c'est un peu différent. Un cadeau. Alors, c'est aussi un nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. On est vraiment dans un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau qui commence. Donc, pour moi, il y a une révélation peut-être amoureuse. On va faire connaissance. Pour certains, on va faire connaissance de plusieurs personnes. Et dans ce groupe de personnes, on va rencontrer quelqu'un. Oui, on voit déjà une hérédité. J'ai une reconstruction de famille. Une famille qui a déjà été construite, qui s'est séparée et on se reconstruit. C'est ma petite biquette. C'est pas à moi. C'est mon voisin. Il a deux petites biquettes. Alors. Donc, pour moi, j'ai l'arbre généalogique avec l'enfant. L'arbre. Ça va me parler aussi. Alors, il est possible qu'il y ait une petite blessure, une petite opération pour un enfant. D'accord ? Possible. Possible. En tous les cas, il y a une décision que l'on va prendre par rapport certainement à un enfant ou par rapport à quelque chose qui commence. Donc, on a un nouveau cycle qui commence et vous allez pouvoir prendre une décision. Et j'ai envie de vous dire que cette décision-là, elle sera saine. Donc, vous faites bien de prendre cette décision-là. Elle sera saine, équilibrée. Ça me parle aussi d'un vol, une personne qui vous a pris un objet. Il y a une personne qui vous a pris un objet.
ou autre chose qu'un objet. Si c'est le cas, ça peut être même une personne. Hein. On vous a pris une personne. On vous a... Mais il y a, je vois ici, j'ai ce ressenti d'une personne qui a des remords. Une personne qui pourrait peut-être avoir des remords et qui va revenir pour s'excuser. Pour s'excuser, pour demander de recommencer quelque chose, de continuer quelque chose. D'avoir toujours ce nouveau cycle. On peut aussi avoir des enfants et prendre en excuse, on va dire, le fait qu'il y a les enfants et le fait qu'on devrait se remettre ensemble pour les enfants. Je pense que ça peut être bien. Je pense que ça peut être bien, mais j'ai encore des cartes à retourner. Je pense que ça peut être bien. Mais je vais confirmer. Ou pas. Donc là, oui, effectivement, on a la maison, donc on a le foyer, on a la maison, on a peut-être des énergies du papa, de votre papa, ou d'un papa. On a... Ouh, voilà, monsieur ici. Monsieur, ça c'est votre monsieur ou c'est vous monsieur? Et si vous êtes deux madames, c'est votre madame. On pourrait dire que ce monsieur, c'est l'homme de votre cœur, normalement, ici, ce serait l'homme de votre cœur, il pourrait avoir des petits soucis, effectivement. Il pourrait avoir des petits soucis. Mais la page va se tourner. Il y a une page qui se tourne. Que je n'ai pas la croix. Mais bon. Donc ici, on a une page qui se tourne sur des soucis. Entre autres. Mais pas que. Ou sur un monsieur. Alors, on a de la chance, on a le trèfle. Bon. Alors, nouveau cycle. Des soucis qui reviennent un peu à la surface, mais ce n'est pas vraiment à la surface. C'est des soucis qui reviennent dans votre tête. Des soucis, des choses que vous avez vécues dans votre couple. Parce qu'il est question aussi peut-être on va se remettre ensemble. On va essayer de recommencer quelque chose de nouveau. On va aussi bien pour les enfants... Mais pas que. On a besoin d'être les uns avec les autres. On a besoin d'avoir sa maison avec ses fondations et avec tout ce qui suit. Une maison très solide. Donc voilà. Et on a besoin aussi d'avoir de la chance. La chance, elle revient vers vous. Ou elle ne vous lâche pas. En tout cas, elle sera là. C'est bizarre. J'ai ici, c'est comme si... Vous allez vendre ou vous avez vendu une maison, maintenant vous le regrettez. Est-ce que ça vous parle? Vous voudriez récupérer cette maison parce que vous voulez retrouver cette vie-là que vous aviez dans cette maison. Mais maintenant la maison, elle est vendue ou elle est en vente. Pourtant, vous voudriez revenir en arrière pour certains. Vous n'avez vraiment pas envie de vendre cette maison. Vous n'avez vraiment pas envie de tourner une page. Mais financièrement, vous avez un peu difficile, mais vous voulez rester là parce que c'était la maison de votre cœur. Il est possible donc que votre compagne ou compagnon, ou que la personne de votre cœur, se montre très très enjouée, mais qu'au fond, il a des soucis.
une personne peut avoir des soucis. Des soucis parce que des choses pourraient être dites. On pourrait savoir des choses à son propos. On pourrait dévoiler des choses qui vont embêter ce monsieur. Qui pourraient embêter ce monsieur. Peut-être que ça ne va pas le concerner lui, mais que ça va concerner quelqu'un qu'il aime et ça va peut-être être embêtant. Donc, on reçoit quand même de l'abondance, on reçoit quand même de la joie. La Vierge et le Lys. Et le renard. Dispute, conflit. Alors, j'ai ici une dispute ou un conflit ou une ancienne relation. On est ici dans la justice. On est dans la justice. Et je pense que vous allez gagner. Vous allez avoir gain de cause. Pour certaines personnes, vous pensez que vous n'allez jamais évoluer dans votre partie amour, dans vos énergies amoureuses, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose que vous pensez qu'on vous a jeté comme un sort, mais c'est plutôt, oui, ça peut être ça, mais vous pensez que vous êtes avec des ennuis jusqu'au-dessus de la tête. Et maintenant, ces ennuis, ils vous engloutissent. Et vous pensez que vous n'avez plus de chance pour avoir une vie épanouie, une vie amoureuse épanouie. Mais si, vous avez encore de la chance, bien sûr. On a le Lys, donc il y a... Ah, mais ça pourrait être justement l'homme de loi ici. L'homme de loi. Donc, les choses vont bouger. Positif pour vous. En plus, si vous le ressentez déjà, vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Hein. Changement, déménagement, ça me parle d'étranger, d'une personne étrangère, d'une situation, d'une personne d'une autre nationalité, ça me parle de quelque chose de rapide. On a la clé. Je n'ai plus de moins belle carte à mettre, mais on a la clé, donc on a la réussite. Donc vous allez prendre des décisions. Les décisions que vous allez prendre seront des décisions positives et vous allez réussir. Voilà, c'est la bonne solution. Vous allez réussir dans vos affaires et dans vos désirs. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Et vous l'avez dans votre proximité, puisque vous l'avez dans votre foyer, vous l'avez dans votre famille. Voilà cette clé. On a la chance, on a la maison, on a l'arbre, on a quelque chose de sain, on a un nouveau cycle, on a un nouvel enfant, on a quelque chose de nouveau de toute façon. Enfin, que du bonheur.
que du bonheur. Je pense que je vais plus recouvrir parce que les cartes sont belles en fait. Donc je vais pas recouvrir pour risquer d'avoir une moche. Donc ici, il y a des... J'aimerais quand même voir où il est le cœur en fait. Bon, pour certains, vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués dans votre situation d'amour là. Mais ça va se terminer, ça se termine. Vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez pouvoir enfin faire des choix. Et prendre des décisions. Si j'ai madame, le cavalier et les étoiles. J'ai le cœur, la cigogne. Ah, voilà pourquoi. Il n'est pas sorti mon cœur. Parce que il était secret. Donc ici, un amour secret. Donc pour certains là, vous ne montrez pas du tout que vous vivez une situation amoureuse. Mais situation amoureuse, il y a. Enfant, grossesse, oui, pour certains évidemment. Pour certaines plutôt. Donc oui, une grossesse qui va être dévoilée, un amour. La maison, on est la protection, on a les échanges internet. Ah, peut-être qu'on vit aussi un voyage, on tourne une page aussi peut-être par rapport à quelque chose parce qu'on doit s'éloigner, peut-être provisoirement ou pas, mais on doit faire, on a un déplacement à faire. D'où des échanges internet. Ben voilà les amis, de toute façon l'amour est là, l'amour est en train de, s'il n'est pas déjà installé chez vous, ben, il naît, il est, c'est vraiment un nouveau cycle, un nouvel amour, que n'importe quel que soit votre âge, ça n'a aucune importance, je m'éloigne du micro, aucune importance, l'amour est au rendez-vous de toute façon. Il est possible aussi d'une rencontre amoureuse dans un autre pays, dans un endroit loin de chez vous, où il y a encore une fois où il y a des gens. Alors on a ici le coup de chance. Le coup de chance, le coup de cœur, donc le coup de foudre. Le coup de foudre. Bon là, ça va s'envoler. Voilà les amis, on a aussi... un homme de loi, donc par rapport à votre situation amoureuse, donc familiale, amoureuse, donc il y a des choses qui se règlent. Il y a des choses qui se règlent, mais qui se terminent, mais c'est bon pour vous. Pour moi, ce sera bon pour vous. Voilà. Parfois, il faut accepter de voir les choses en face et il faut accepter de savoir que les gens, ils ne changent pas. Il y en a qui changent. Si eux, ils ont envie de changer, ils changent. Mais vous, vous ne savez pas faire changer les gens. Mais les gens, ils peuvent changer si ils en ont envie, d'accord ? Mais ils ne peuvent pas vous... Ils ne peuvent pas vous... Vous ne pouvez pas les changer. Et eux ne peuvent pas vous changer. Mais vous pouvez changer à cause de telle ou telle personne. Que ce soit en amour ou que ce soit n'importe quoi. Là. Voilà les amis. Bon, je vais juste faire ça parce que ça va s'envoler. J'ai pas envie que ça se retrouve dans l'eau. Que ce soit de l'étang... de la piscine. Donc, vraiment, j'ai vraiment pas envie que ça se retrouve dans l'eau. Voilà. Bon, ben, ah oui, dans ce petit oui, non. Allez, en vitesse, parce que là, on a pris. Évidemment, avec tout le. Avec, ça prend du temps. Comme si je ne prenais jamais le temps. Comme si ça allait toujours vite, mes vidéos. Là. Bon, je fais toujours des vidéos rapides. Et aujourd'hui, je fais une grande. Bon, allez. Aïe, 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 aïe.
Bon, merci les cartes. Ah oui, si je prends deux. Allez, oui, non. Posez votre question. Question fermée. Qui demande donc un oui ou un non. Vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je me marier? Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va essayer de vous avoir d'une manière ou d'une autre. Bon, on fait le oui-non, je n'interprète plus. On a le trèfle et l'enfant. Bon. 13 cartes. Le vaisseau, ben c'est non les amis, on a la croix, c'est non. Et l'anneau, il est là. Donc voilà, vous prenez le non, vous prenez le oui, vous prenez ce qui vous plaît, parce que ça c'est pour le fun, d'accord? Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine d'ailleurs. Et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo, je vous embrasse et je vous dis, non, n'oubliez pas, soyez positifs, toujours.